Ah, c'est pas un petit boss. Non mais je voulais juste un petit boss. Aïe, aïe, aïe. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la démo de Black Skylands, un jeu vraiment très complet pour le coup, puisque c'est un monde ouvert, on va devoir explorer, se battre contre des ennemis, mais également suivre un fil conducteur, donc il y aura quand même une histoire, et en parallèle on va pouvoir crafter des choses, on va pouvoir construire également, planter, vraiment il y a beaucoup de choses à faire dans ce jeu, sachant qu'on est dans un monde où la Terre s'est divisée en tout un tas d'îles volantes, et du coup on va se déplacer avec, pareil, des vaisseaux volants assez originaux, vraiment très sympathiques, donc on va lancer de suite une nouvelle partie, vous allez voir ce que ça donne, mais vraiment pour avoir fait un petit test de mon côté, je dois dire que je suis assez conquis par le jeu. Allez, on est parti, sachant que je vous préviens de suite, il va y avoir pas mal de dialogues au début, mais je vais les passer, je vais pas prendre le temps de les lire ou quoi que ce soit, parce que tout simplement, si je les lis tous, ça va prendre un peu trop de temps sur le gameplay, j'ai vraiment envie de me focus dessus pour vous montrer à quoi ressemble le jeu, vous en montrer le plus possible. Ceci étant dit, pour l'histoire, sachez que c'est assez basique, en gros, ce qui va se passer, pour spoil vite fait, les 10 premières minutes, hein, pour pas en reparler après. Concrètement, il y a des pillards qui vont arriver, qui vont commencer à dévaster un petit peu nos terres, tuer notre père, du coup on va vouloir se venger, commencer à explorer et tout ça, et du coup retaper bien sûr la ville qu'ils auront ravagée, et donc on va avoir le système justement de construction de ville qui va vraiment prendre toute son ampleur à ce niveau-là. Voilà, donc là au début ça va être un petit tuto en gros, hein, voilà, pour se déplacer, pour aller chercher du coup les récoltes, hein, puisque comme je vous ai dit, on va pouvoir planter des choses aussi, ça va être assez sympa à ce niveau-là, c'est vraiment très complet, hein, de toute manière. Donc voilà, une fois qu'on a récolté, on récupère la petite caisse de ressources qu'on va mettre du coup dans le coffre ici, qui est un coffre général, c'est-à-dire que sur toutes les îles où je vais aller, ce coffre-là sera le même. Donc si je mets un truc ici, je vais sur une autre île, je pourrai récupérer ce stockage également. Donc ça, c'est bon à savoir. Et à l'inverse, on a aussi un stockage sur notre vaisseau, mais ça, on va le voir un petit peu après. Donc voilà, il sait très bien ce que j'ai fait, c'est très cool. Donc là, il faut que j'aille, hop, ici. Il faut que je plante du coup les graines. Donc encore une fois, c'est vraiment le tuto basique pour m'apprendre les bases, vraiment les mécaniques de base du jeu. Et me montrer un petit peu les possibilités qu'il va y avoir. Je trouve ça très stylé en tout cas. Graphiquement, j'aime beaucoup l'idée déjà. J'aime beaucoup l'idée et j'aime beaucoup justement tous les petits vaisseaux qu'il y a, machin et tout. C'est assez sympa. Voilà, donc je vous dis, je passe un petit peu les dialogues de départ. Il va y en avoir un petit peu. De toute manière, on est sur une version démo, donc c'est pas grave si on suit pas toute l'histoire non plus entièrement, hein, pour le coup. J'avoue que c'est un jeu, quand il sortira, c'est le genre de jeu où ouais, j'aimerais bien retourner aussi. Après, je sais pas du tout jusqu'où va la démo actuellement, mais franchement, je vous dis, du peu que j'ai joué, en tout cas, j'aime beaucoup le concept. Voilà, donc on va passer un petit peu cette petite partie-là, mais très beau en tout cas, encore une fois, graphiquement, moi j'aime beaucoup. Après, faut aimer, hein, mais voilà. Donc voilà, là on m'apprend à utiliser le petit pistolet. Sachant que normalement, si on vise au centre d'un adversaire, on est censé lui faire plus de dégâts. Genre, c'est des critiques. Mais ça, on va me l'apprendre un petit peu après. Donc voilà, ici, hop, on peut reprendre des munitions et de la vie dans ces petites zones là, comme ça. Donc voilà, on a notre première arme, c'est cool. Hop, ici, on retourne lui parler. Voilà, très bien. Et du coup, hop. Je dois venir ici. Et alors un petit truc qui est marrant, c'est que ma game découverte, du coup ici, bah, je savais pas trop comment j'étais censé venir jusque là. Du coup je suis tombé comme ça. Vous voyez, on peut tomber. Et en fait, on a un grappin qui nous permet du coup bah, de nous grab, hein, forcément. Et donc de remonter si jamais on est en train de tomber. Et pareil, ça nous permet d'atteindre des zones un peu plus éloignées. Donc je trouve le système assez sympa et très intuitif pour le coup. Hello. Ok, donc là, il faut que je parle ici pour au marchand pour lui acheter un repair kit, donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, repair kit acheté. Ensuite, il faut que je revienne sur mon navire à moi. Donc celui-ci, c'est le mien. Oula. Hop, donc on va monter ici. Je mets dans le stockage le repair kit, et maintenant qu'il y est, je vais pouvoir l'utiliser pour réparer du coup le véhicule. Voilà, donc ça c'est bon. Hop, on va repartir par là. Voilà, les réparations sont ok. Ça nous apprend ça, ça reste la base, puisque forcément mon vaisseau va prendre des dégâts au bout d'un moment.
Il faudra vraiment que je répare. Donc là, c'est pareil. Hop, on va encore lui racheter des choses. Ce coup-ci, on va lui acheter des munitions. Alors, ce sont des munitions pour le vaisseau. Attention, ce ne sont pas des munitions pour mon arme. Hop, parce que regardez. Est-ce que je peux vous le montrer de suite? On va voir de toute manière, sinon on le verra après. Hop, si je viens ici. Non, je peux pas le prendre pour le moment. Ok. Mais voilà, juste notre vaisseau, en gros, il a deux canons. D'ailleurs, on peut les voir hein, du coup un de chaque côté, vous voyez, là et là. Et en gros, ces canons vont utiliser. Mince, j'ai pas fait exprès. Vont utiliser du coup des munitions, forcément. Donc il va falloir les racheter au fur et à mesure. Donc, là, j'en ai mis 50 pour commencer. Ce sera pas mal. Du coup, il faut que j'active. Faut que j'aille où? Ok, j'appuie sur Tab. Et du coup, j'ai un objectif. Il faut que j'aille un petit peu vers le nord. Est-ce que la map. Ouais, je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, vous voyez, si je zoome un peu, on voit les différentes zones qu'il y a déjà. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a le journal, on a l'équipement, on a le vaisseau, que du coup, je vais pouvoir améliorer. Au fur et à mesure, je vais pouvoir débloquer des choses pour améliorer chaque partie. Très, très cool, du coup. Les ressources que j'ai dans le vaisseau et Warhouse, du coup, c'est sur l'île. D'accord? Donc ça, c'est illimité, c'est sur l'île. Et par contre, le vaisseau, il y a un stock limité, donc il faudra que je le vide à chaque fois que... je vais faire des voyages. Donc, bah c'est parti. Hop, donc là, vous voyez, j'ai 50 munitions. On a le petit rappel en bas à droite. Et là, on va partir. Et franchement, c'est très beau. Hein. J'aime beaucoup, personnellement. J'aime beaucoup. Alors là, en passant, il y a moyen que je croise des adversaires, déjà. Et qu'on utilise déjà. Alors, vous voyez, hop. Ah oui, non, c'est vrai, ça va. C'est vrai que le premier truc, c'est juste à côté. Et vous voyez, hop, les canons, je peux les orienter différemment. Donc là, je vais les laisser un petit peu en avant. Et sinon, il faudra que je pense à les bouger s'il y a un problème. Sachant que pareil, c'est assez intuitif. Hein, c'est clic gauche pour utiliser le canon de gauche et clic droit pour celui de droite. Donc ça va, à ce niveau-là, c'est pas très compliqué non plus. Hop, donc là, on est à un nouveau marchand, au final. Un petit marchand, regardez, hop, si je vous montre la map. Voilà, on le voit juste ici. Et donc, on va lui parler pour... Enfin, pour l'instant, on lui parler déjà. Et on va lui acheter... Du coup, c'est quoi qu'on veut? Ok, on va lui acheter un repair kit, salut. Voilà. Très bien. Et ensuite, il faut lui acheter un fuel can, c'est ça? Let's go. Voilà. Ensuite, il faut faire le plein. Vous voyez à droite, on voit le plein qui se fait justement dans le baril en même temps. C'est vraiment pas mal. C'est assez intuitif, encore une fois. Hop. Je viens ici. Je n'ai plus qu'à remplir. Vous voyez qu'on était à 45%, donc ça, va falloir vérifier qu'on est toujours suffisamment. Là, en même temps, moi, je vais en profiter. Je vais refaire le plein ici. Je sais pas si je paye. Ouais, si, je paye hein, pour faire le plein, quand même, au fur et à mesure. Mais bon, hop, on va refaire un petit plein comme ça. Ça, je le stocke. Et ça, je l'ai en rab. Ça, je vais laisser tout le temps dans mon stockage. Ça, vraiment, tous ces trucs-là, c'est tout ce que je vais laisser. Et après, le reste que je récupérerai, c'est ce que je mettrai directement dans la safe. Et du coup, hop, on va repartir pour la prochaine mission, les amis, qui est... J'arrive pas à... Ah, je peux pas bouger sur la map? Ah, c'est comme ça, voilà. Voilà, qui est sur cette île-là, du coup. Sachant qu'il y a des petits drapeaux. Parce que vous allez voir que les îles, en fait, on va pouvoir les récupérer, en quelque sorte. On va faire une mission, de toute manière, où ce sera un peu plus clair à ce niveau-là. Alors là, juste en passant, regardez, les trucs violets, c'est de l'argent à récupérer, donc je vais quand même essayer d'y passer. Bon, pas forcément à tous, parce que bon, il va y en avoir beaucoup, de toute manière, mais on va essayer d'en faire quelques-uns. Et je sais pas si vous avez vu... Ok, bon, là, je me fais attaquer. Hop, on va tourner un peu ça. Bam. Bam. Et voilà. Attention parce que le canon surchauffe au bout d'un moment ou s'enraye ou je ne sais trop quoi. On a une petite jauge hein, sur chaque canon. Donc faut pas trop tirer avec non plus, sinon on pourra plus tirer pendant un petit moment. Et juste regardez au niveau du vaisseau. Je vais vous faire remarquer un petit truc, c'est quand je freine, regardez là. Vous avez vu, quand je freine, ça déploie en fait des voiles derrière justement pour freiner. Ils ont fait un petit truc RP, c'est pas en mode fait à la va-vite ou quoi. Je trouve ça très propre personnellement. Go fishing? What? J'avais jamais vu ça. Ça fait quoi? Ça fait quoi si je viens là? Qu'est-ce que je peux faire? Le mec essaie de tirer du coup quand il s'est pas, attendez. Je sais pas comment ça marche. Alors peut-être que justement il y aura un système de canne à pêche ou un délire comme ça et qu'il faudra que je récupère. Ça se trouve c'est juste un truc comme ça. Je sais pas du tout ce que je dois faire là-dessus, j'avais jamais vu ça. Hop, c'est pas grave. On va récupérer ça ici. Ça me fera toujours un petit peu d'argent. Go fishing. Ouais, bah écoutez. Et je vais essayer de me stationner vers ici. Pas trop vite.
Ouais, un petit peu de dégâts, mais c'est pas grave. En vrai, il vaut mieux que je reste un peu plus loin généralement. Ça passe de toute manière après. Ça, faut que je casse normalement pour récupérer. Et du coup, faut que je parle à lui. Alors, au début, c'est un petit peu scénarisé, un peu plus que la suite, bien sûr, parce que c'est pour le côté tuto. Mais ensuite, on sera beaucoup plus libre. On sera vraiment dans un monde ouvert où on se balade et où on fait un petit peu ce qu'on veut, la construction, l'exploration, etc. Donc, voilà, là, je peux switch entre les deux. C'est très bien. Hop, on va essayer de rush un petit peu la suite. Là, qu'on récupère. Tac, voilà, là pour aller plus loin, en fait, il m'explique ce que je fais déjà, c'est-à-dire de faire la petite roulade avant d'utiliser le grappin. Voilà. Ici, hop, ça on peut geyser. Petite plante. Voilà, ça va me régénérer ma vie, très bien. Et là, en gros, pour éviter les tirs, il faut faire des petites roulades. Ok. On a une attaque de mêlée également. C'est vrai. Petite attaque de mêlée, c'est bon à savoir, ça peut permettre d'économiser les munitions. Charge. Voilà. Ok, ça on va harvest du bois. Du coup, ça c'est la mission qu'on a à faire actuellement. Et là, en gros, on m'explique qu'en backstab, l'attaque de mêlée fait... Ah d'ailleurs, c'est... Ouais, c'est l'attaque de mêlée qui fait des dégâts supplémentaires en backstab, c'est ça. On va essayer de faire ça. Oh là là, ah oui. Ah oui, c'était un petit peu violent, c'est pas mal. Ça me plaît, ça me plaît. Ok, allez, let's go. Du coup, je mets la petite caisse ici. On va activer là. Et on est parti. On est parti. Alors là, il y a des soins, mais je crois que je peux pas les récupérer parce que je suis full de toute manière. Là, on va ramener la petite caisse ici. On lui parle. Et alors, à ce niveau-là, par contre, quand j'avais fait ma partie test, j'avais pas très très bien saisi, d'ailleurs, le fonctionnement ici. Je vais essayer de prendre le temps de lire vite fait, du coup, un peu plus. Store wood in the... Hein. Donc, ok, mais ça, par contre... Unlock random mod box, ok. Donc, je laisse appuyer. Et ça, j'avais pas bien compris ce que ça m'avait débloqué la première fois, donc... ok, sight. Ok, each weapon. Ok, add to hold. Donc, chaque arme a 4 types de mods. Pour les installer, il faut que j'aille sur la tablette avec tab. Je vais dans équipement. Et je sélectionne l'arme et j'appuie sur espace. Ça, c'est ce que j'avais compris la dernière fois, mais j'avais pas vu le mode du coup la dernière fois. Donc là, par exemple, c'est celle-ci. The rifle. Et c'est ça que je comprends pas, c'est au niveau du mode en fait. Où est-ce qu'il est? Ah, E pour modifier peut-être. En fait, c'était pas espace, c'était E pour modifier du coup. C'est ça que j'avais peut-être pas vu la dernière fois. Ok. Voilà, et là, espace pour l'équiper, c'est très bien. Et du coup... Ah voilà, et du coup, maintenant j'ai un petit laser avec, très bien. C'est très stylé, ok. Ok, très bien. Bon, c'est pas bien compliqué, le jeu est vraiment intuitif pour le coup. Ma partie test, en vrai, je rigolais même parce que... bah pour le coup, j'allais très vite. Honnêtement, je prenais pas trop le temps de lire vraiment les tutos et tout. Parce que ça se comprend, en fait, tout seul. Et ça fait plaisir, des jeux comme ça. Ça fait plaisir, je teste beaucoup de jeux, mine de rien. Je les présente pas forcément tous, clairement. Il y en a beaucoup, des fois où c'est pas très intuitif, ou même en relisant les tutos, on est un peu perdu parfois. Et là, j'avoue que celui-ci, c'était vraiment tout l'inverse. C'était vraiment en mode, bah en fait, je lisais à moitié. Je comprenais de suite ce qu'il fallait faire, parce que ça se trouve, c'est encore une fois très intuitif, en fait. Donc voilà, on va rentrer. Du coup, c'est très plaisant, quoi. On va rentrer, les amis. On va ramener le bois, du coup. Voilà. Acier. De s'arrêter vers ici. Et là, en gros, il m'explique que j'ai pas besoin de vider vraiment le véhicule. C'est-à-dire qu'en étant ici, je peux juste ouvrir et vous voyez, de là, je peux transférer le bois directement dans la warehouse, donc dans l'entrepôt. J'ai pas besoin de le prendre sur moi et d'aller ensuite le placer sur l'entrepôt, vous voyez, ou quoi. Non, je peux le transférer directement, automatiquement, tant que je suis suffisamment proche. Voilà. Donc l'entrepôt, en gros, c'est le stockage. Mince, j'ai été un peu vite là-dessus. Bon, c'est pas grave, en vrai. Voilà, l'entrepôt, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ici, en fait. Hein. C'est ici où j'ai mis le bois, vous voyez, au milieu. Donc, sur l'île, finalement. Du coup, on doit parler à notre père. Allons-y. Allons-y, allons-y. Salut. Comment ça va? Et je crois que c'est là que le drame va arriver. Le fameux drame dont j'ai parlé un petit peu avant. Je crois qu'on y est, là. On va plus tarder. Donc, voilà, on va
Ouais, le petit vaisseau qui arrive en mode. En mode, ça va être la destruction. Voilà, donc là, c'est le petit bombardement. Il y a un petit peu de casse, hein. Il y a un petit peu de casse, comme je vous disais, mais justement. Bon. C'est triste, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est bien parce que c'est ça qui va nous permettre de reconstruire et c'est ça qui commence à introduire le côté construction justement du jeu qui va être vraiment très intéressant pour le coup. Voilà, donc là, c'était un peu la galère. Du coup, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ici? Oh. Je vais en profiter, j'ai vu qu'il y avait un truc pour mettre des munitions là, hop. Let's go. Ok, lui il avait juste une arme de mêlée a priori. Oh mais les dégâts qu'on met quand on met des critiques par contre. En gros c'est ça, je vous dis, il faut vraiment viser le centre du personnage pour mettre des critiques sur le jeu. Et on passe de 11 à 18 hein, mine de rien en critique hein. Quand même assez fort. Ok, donc là on retrouve effectivement notre père hein. Je vous l'avais un peu spoil tout à l'heure, mais bon, c'était pour aller un peu plus vite après du coup sur l'histoire, rester sur le gameplay. Ok, et c'est bon, ils repartent, du coup on va pouvoir. Ok, ça commence. On va pouvoir vraiment commencer à partir de maintenant, à peu près, on va dire. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, les amis. Et ça va commencer à devenir un petit peu plus intéressant, vous allez voir. Du coup, toujours des petits dialogues. C'est pour ça que je vous ai prévenu au début, hein, parce que vraiment, bah, vous voyez tout ce qu'il y a. Si je m'étais arrêté vraiment pour tous les dialogues en détail, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc voilà, déjà, truc intéressant, c'est que maintenant, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir, du coup, enlever les débris et commencer à reconstruire. Du coup, ça c'est intéressant, c'est une partie qu'on aime bien. En tout cas, moi j'aime beaucoup ça dans les jeux. Donc ça c'est assez cool, pour commencer. Donc là, hop, on enlève tout ça. Et là, vous voyez qu'on va pouvoir choisir parmi différentes structures. Vous voyez, le labo, le armory, bar, trader square, ranch. Donc là, on va commencer par un garden, avec 3 de bois, du coup j'en ai 6, donc très bien. On va construire ça. Et du coup, ici, je vais pouvoir replanter des choses, donc ça va être assez cool. Mince, je voulais quitter ça. Comment je quitte le... Ouais, voilà, construit, c'est ok. Échappe pour close. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça a bugué, non? Et vous voyez là, hop, on peut mettre des graines, du coup, directement. Si on veut, on peut les replanter. Par contre, c'est un peu bizarre que j'ai le truc devant. C'est même un petit peu embêtant, surtout que je sais pas si je peux reprendre où j'en suis si jamais je quitte. Parce que là j'ai le truc de construction qui reste devant et en haut à gauche il y a marqué échappe en plus pour close. Mais ça marche pas, ça me remet dans le menu. J'ai pas eu ce bug hein, tout à l'heure. Fallait que ça tombe pour la vidéo, vous savez. On va tester un truc. Il vient d'avoir une sauvegarde. Vas-y, je vais relancer, je pense que ça a dû garder. Ok, c'est bon, problème réglé et je suis exactement là où j'étais juste avant. Donc parfait, pas de soucis, pas de perte. Juste pour vous montrer, quand on appuie du coup juste sur le panneau, on peut upgrade la construction a priori. Donc ça coûte des ressources que je n'ai pas pour le moment. Enfin, du bois en tout cas, ça va. Et une autre ressource que j'ai pas encore vue. Et sinon, je peux détruire aussi pour récupérer les ressources. Voilà. Donc, on va aller parler ici à Elsie. Voilà, qui va me donner un nouvel objectif, très bien. Open, est-ce que c'était pas à ce moment-là d'ailleurs où elle me donnait... Non, c'était pas là. Ah voilà, c'est ça. C'est à ce moment-là où elle me donne, voyez ici, les nouvelles voiles justement que je vais récupérer. Et pour pouvoir les équiper, les amis, il va falloir qu'on aille juste à côté, vous allez voir, hop. Chaque fois je me fais avoir, je peux pas rentrer par l'arrière directement. Donc déjà, hop. Non, ça c'est très bien. Ça c'est très bien, j'ai rien besoin de faire. Et logiquement, hop, il faut que je vienne ici. Au shipyard. C'est juste là à gauche. Donc, je vais y aller directement.
Hop là. Des petites manœuvres. Ok, et donc là, regardez, hop, on va pouvoir équiper les nouvelles voiles qui vont m'aider du coup pour décélérer plus rapidement. Rotation aussi plus rapide. Ok. Par contre, ça augmente un petit peu le poids du véhicule. Ça aura aussi un impact, j'imagine, sur, sur la navigation. Et là, c'est ok. Et donc là, hop, si j'essaie de freiner, vous voyez, on a normalement les nouvelles voiles. Ouais, c'est ça. Ok, c'est nickel. Du coup, prochain objectif. Let's go, les amis. Let's go. Et là, on va vraiment attaquer des missions sympas. Enfin, des zones sympas, puisque là, vraiment, ça va être... Ça va être la partie un peu plus exploration, maintenant. Et hop, on va essayer de récupérer ça en passant. Attention à gauche. Hop, on va orienter ça différemment. Let's go. Ok, lui, j'ai carrément rentré dedans. Ok, nickel. On récupère tout. Oh, regardez à gauche. Vous avez vu cette île? Donc là, vraiment, voilà. Là, c'est vraiment le côté où, si je veux, je peux explorer tout ce que je veux. Donc, il y a des îles qui sont gardées et tout ça. Il va falloir que je fasse attention d'avoir toujours du carburant, d'avoir toujours des munitions, d'avoir toujours de quoi réparer, d'upgrade mon stuff, d'aller améliorer, du coup, la ville. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire, déjà, si je le veux, même sans suivre l'histoire. Là, je vais quand même suivre parce qu'on a encore des petites choses à débloquer et à apprendre, bien sûr. Mais c'est pour dire un petit peu ce que propose le jeu, quoi. Je fais exprès, hein, de changer de côté, justement, pour ne pas... surchauffer un côté trop vite. Je vais récupérer un petit peu d'argent en passant. Je trouve ça très stylé aussi, les petites créatures qui passent dans le ciel de temps en temps. Hop. Je sais pas s'il y a une touche pour s'arrêter plus facilement, mais bon. Oh. Ce serait bien que je le touche un peu. Et let's go. Donc ici, normalement, en fait, on va libérer des gens. Voilà. Il y a un truc que je voulais vous montrer aussi. Normalement, ils vont me le dire juste après, il me semble. Ah oui, alors ça, c'est marrant aussi, parce que je peux vraiment tout déplacer, regardez. Même ça, je crois que je peux le prendre normalement. C'est assez drôle. Il y a un truc voilà, que je voulais vous dire aussi, c'est que si je finis un adversaire avec le cut, en gros, ça me redonne des munitions. Ce qui peut être assez cool, justement, si je commence à en manquer, ce qui peut arriver des fois. Donc, c'est toujours bon à savoir qu'on peut, on peut s'y prendre comme ça aussi. Donc là, l'objectif, ça va être de vraiment tuer tout ce qu'il y a sur l'île. J'avoue qu'avec les roulades, je pense qu'il y a moyen en plus de... Oh, des chicken à harvest. Du coup, ça me fait une cage comme ça. Est-ce qu'il y a un stockage? Il doit y en avoir sur toutes les îles, ouais, genre là. Vous voyez ce que je vous disais? Le stockage qui est... ouais, c'est à gauche du coup. Qui est le même stockage dans toutes les zones. Et du coup, objectif, tuer tout ce qu'il y a ici, tous les animaux. Est-ce que je peux rentrer dans la maison? Ouais, je peux rentrer, mais il n'y a pas grand chose, j'ai l'impression. Bah, je pense que c'est là-bas où il faut que j'aille. Ça, c'est le truc qui me heal. Okay, il y a un genre de sniper, j'ai l'impression, de l'autre côté. Ok, merci. Ok, je suis full. Oh, du copper! Du copper, c'est cool. Attendez, on va laisser ici le copper pour l'instant. Je vais aller tuer les gens qui sont là. Oh, je recharge. Normalement, j'ai la régène passive de toute façon. Ah, c'est arrêté de recharger du coup quand j'ai cut, forcément. Ok, c'est nice. Faut que je libère tout le monde, c'est toujours pas fait? Comment ça, c'est pas fait? Il doit y avoir des gens que j'ai pas tués là quelque part. Parce qu'en gros. Là, ma quête, voilà, c'est de libérer, libérer les trois îles. Donc, cette île-là, elle est ok. Cette île-là, elle est clairement ok. Ah, ok, il fallait juste que je revienne ici. Oh, voilà. Ok, et voilà. Vous voyez ce qui se passe, c'est que cette île, du coup, elle n'est plus à l'envahisseur, en quelque sorte. Alors d'ailleurs, je peux aussi me déplacer avec ce drapeau. Je peux récupérer le drapeau, donc je sais pas à quoi il va servir. Je sais pas s'il sert à quelque chose, le drapeau, en tant que tel. Je vais le stocker pour le moment. Je vais aller chercher le copper aussi.
Ça pourra toujours me servir plus tard pour autre chose. Je pense que c'est une ressource importante quand même. Et le grappin est quand même assez long, heureusement. Hop. Et heureusement que je peux utiliser le grappin avec une caisse dans les mains aussi, parce que sinon... Ah ouais, on peut même le faire comme ça, d'ailleurs. Ok, et du coup, on vient lui parler ici. Moi, je m'étais arrêté ici, du coup, pour quand j'ai fait ma petite découverte de mon côté, justement, pour voir un peu ce que donnait le jeu. Maintenant, je vais découvrir un petit peu avec vous. Voilà, ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, par contre, il y a pas mal de shops. Donc ça, c'est assez cool. Chaque shop... Alors déjà, il y a un shotgun ici à récupérer, donc ça, c'est très cool. Parce que c'est une arme en plus, hein, de celle que j'ai là. Hop. J'ai que 14 balles, non? Hop, on va recharger. Mais voir le pompe, il tire comment? Ok. J'en profite, hein, vu que j'ai munitions illimitées ici. Bon, et du coup, ce shop, je peux acheter des munitions pour le véhicule. Ah, il y a des ressources aussi, ok. Il y a les repair kits, il y a pas mal de ressources. Pas mal de ressources différentes, à voir ce que je pourrais en faire de certaines. Parce que là, je vois qu'il y a aussi des cochons ou quoi, donc ça, je sais pas trop à quoi ça va servir pour le moment. On a ici la possibilité d'acheter. Alors, ça, c'est trop bien par contre. Alors, il y a des trucs, je sais pas trop à quoi ça va servir, mais par exemple, la tourelle et tout, ça peut être très stylé. Après, il y en a, je sais pas si c'est du décor ou. Ouais, je pense qu'il y a certains trucs, c'est plus du décor, mais c'est très cool aussi qu'on puisse acheter des trucs comme ça, je trouve. C'est assez sympa, vous voyez. Il y a le côté un petit peu housing. Hello. Ici. Alors voilà, ça c'est trop bien. Ça c'est trop bien par contre, automatique canon. Du coup je pense que ça va être pour le véhicule, hein, je pense. On a pareil la coque qu'on va pouvoir améliorer. Roquette canon. Oh là là. Sturdy hold, c'est quoi? C'est ouais, c'est le cargo. Ça augmente l'espace de stockage du coup. Engine du coup, bon, le moteur ça va être pour la vitesse forcément. Le fuel. Et on a aussi du coup le... je sais plus le nom, mais vous avez l'image, le truc derrière là, la petite hélice, voilà. Du coup, pour également accélérer, même décélérer plus facilement, donc ça c'est très cool. Et ici, ship, je vais pouvoir changer. Je vais pouvoir changer, c'est juste trop cool. Regardez, regardez, c'est trop bien. On va pouvoir changer du coup de véhicule. Et là, je rappelle qu'on est que sur une démo et que je suis que sur la Hello. première île, donc à mon avis, il va y avoir beaucoup de choix au bout d'un moment sur le jeu. Là, c'est tout ce qui est armure du coup qu'on va pouvoir choisir. Là, il y a quoi? Alors ça, ah oui, ça c'est les mods du coup, c'est le truc okay, Hello. qu'on utilisait tout à l'heure. Ici on a des armes. Ici on a des armes. J'avoue que je serais plus partant pour... Ah par contre les armes pour les acheter c'est directement des composants. Ah oui non, c'est des composants et de l'argent, ouais. Ah attendez, parce que du coup il y a des mods aussi. Il y a aussi des mods qu'on peut acheter directement. Alors j'achèterais bien déjà quelques petits trucs. Allez, ils parlent d'artefacts, mais je connais pas encore. J'ai vu qu'ils en ont parlé aussi ailleurs, mais je ne connais pas encore, donc on va voir ça. Ok, lui, j'ai déjà parlé, donc je crois que j'ai fait le tour. Et du coup, maintenant, totale découverte pour moi. Donc là, il faut que je retourne, à mon avis, à mon vaisseau déjà. Le vaisseau qui était là, normalement. Hop. Let's go. J'en suis à combien en fuel? C'est où? C'est là? Ouais, ça va encore. Attendez, parce que je pourrais réparer par contre. J'ai pris un peu de dégâts ici, j'ai des repair kits. Y a pas de soucis. Let's go les amis. Allez, donc on va aller voir Big Water Island. Let's go. C'est où? C'est loin? Un petit peu quand même. Ok. Il y a des points d'exclamation, j'ai vu aussi sur la gauche, sur l'île ici. Donc là, éventuellement, je pourrais aussi m'arrêter pour voir un peu ce que ça donne. Ça, c'est assez cool. Il y a un cycle jour-nuit aussi, mais vous le voyez. Ouais, j'ai hésité à leur tirer dessus avec les canons de mon vaisseau, mais... Hop là. Attendez, c'est un vaisseau ennemi aussi là. À gauche. Mince, les munitions. Ouais, non, ça va encore. Attendez, parce que là. Ok, et lui par contre, il a l'air d'avoir ce qu'il faut. Ok, bon, je peux plus tirer avec le canon droit, mais c'est ok. Je vais aller réparer. Ok, c'était un beau petit vaisseau là à abattre, c'était cool. C'était très cool. Ok,
Il y a des défenses aussi là sur l'île. Ouais, voilà. Ça, je vais éviter. Je vais éviter de m'approcher. Mais c'est très cool, hein, parce que vous voyez que là, on a quand même une progression en termes de difficulté. Donc ça, c'est assez cool. Hop. Ok, on est bon. 200 mètres encore. Alors ça, normalement, ces mines là, je peux les casser. Ok. C'est quoi ça? Quoi? quoi? Bonjour? Ah ouais, c'était quoi cette bête là? Oh non, ils vont fermer, ouais, du coup les portes. Ok, il faut que j'aille sur le switch des portes principales du coup maintenant. C'est marrant, j'ai des petits freeze de temps en temps, je dois charger des zones en même temps. C'est marrant pour un petit jeu comme ça quand même. Allez, on va éviter de gaspiller les munitions parce que là j'en ai plus beaucoup, j'aurais peut-être dû en acheter tout à l'heure. Il y a des vaisseaux qui arrivent en plus sur le côté. Ok, on va switch. Hein. Et en vrai, les vaisseaux, je les détruis assez vite hein, avec mes armes comme ça. Le cut dans le dos. Allez hop. Quand on peut faire ça en vrai. On est bon. C'est vrai que j'aurais pu avoir le réflexe de faire exploser le baril aussi. J'ai pas forcément eu. J'ai pas le réflexe de tout casser non plus pour récupérer. J'avoue qu'il y a plein d'endroits là, j'ai l'impression qu'on peut casser aussi pour récupérer de l'argent. Là il y avait plein de caisses en bas. Ça marche comme ça aussi pour les caisses, c'est trop bien. On peut utiliser le grappin du coup. Oh, je peux attirer les gens vers moi. Ah, ça les repousse après. Regardez, je suis que le clic droit là, c'est comme mon grappin. Comment ça? MDR, c'est trop marrant. En mode, si j'ai plus de munitions, bim, je fais ça. Ah, mais en plus, du coup. Ah non, ça c'est le heal, ok. Le heal, je laisse appuyer sur V. Ouais, c'est ça. Voilà, là j'en ai plus, mais du coup j'ai récupéré l'autre et c'est bon. Trop bien. Faut que j'aille à 80 mètres à droite. Reach, roll. Ouais, ça c'est bon, je connais. Ouais, du coup le pompe, je suis moyennement. Ouais, ça c'est ce que je vous avais expliqué pour les munitions là qui me redisent. Je suis moyennement conquis par le pompe hein, pour le moment. Ce genre d'endroit, par contre, le pompe serait pas mal. Ok, j'ai plus de balles là en plus. Vas-y, on va reprendre le pompe vite fait. J'avoue que si j'arrive à grab. Bon, après, ça repousse donc en fait, peut-être pas, mais. Mince, je pensais qu'il m'avait pas vu! Ah, je suis pas aux pompes, je suis au pistol. J'étais en mode, mais what, ça fait zéro dégâts, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc là il y a les portes. Comment je vais de l'autre côté par contre? Par là. Ouais, par là. Use. Ça m'ouvre les portes ici à gauche.
Ah, ça a aussi ouvert les autres portes, c'est bon? Ok. Donc maintenant je peux y retourner. Il faut que je retourne à mon vaisseau là maintenant. Et bien sûr, je vais pas pouvoir. Oh, il y a un coffre en bas. Oh, je veux. On trompe de touche. Ah oui, mais c'est vraiment. Ah non, mais c'est pas un coffre, c'est un truc de mode. Attendez. Casse-le. Comment je pose? Ok. Je vais l'utiliser directement. Hein. Alors. C'est forcément un mode pour l'arme que j'avais en main, par contre, ou pas? Parce que j'aurais pas dû garder le pompe en main. Je crois que oui, en plus. Hein. J'aurais pas dû garder le pompe en main, du coup. Remarque. Ah oui, non, barrel en plus. Ouais, pour les dégâts, pourquoi pas, mais. Ok. Est-ce qu'il y a un moyen de rentrer vite ou pas? Je suis obligé de me refaire tout le tour là. Ah, mais sinon, non, je peux aller en haut hein, parce que c'est encore sur l'île hein, où je dois aller. Hein. Ah non, main gate switch en plus. Ouais, non, il faut que j'aille vraiment par en haut. Ok. Non, j'ai cru qu'il fallait que j'aille là. J'avais pas lu jusqu'au bout, je suis en mode. C'est la porte principale. Non, c'est les switches de la porte principale. Ok, let's go. Juste par où je passe? Ok, bon, visiblement c'était par là. Il y a toujours la créature qui passe. Oh, ça a l'air immense hein, la zone. Hein. Soit on se finit cette zone, je pense, et on s'arrêtera là-dessus pour l'épisode. Parce que je me rends compte que du coup. Oh! Il fait pareil que moi. Je me rends compte que le temps passe très vite sur ce jeu en fait. J'aime beaucoup, clairement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du jeu d'ailleurs également. Moi j'aime beaucoup, hein. Vraiment. Je trouve le jeu très sympa. Ah ouais, en fait je suis obligé de rester par le centre pour passer, c'est ça. Non merci. Limite, faudrait que j'arrive à avoir le réflexe de switch une balle de pompe, une balle de pistolet. Ok, let's go. Ah, attendez, je comprends pas là par contre. Pourquoi c'est passé là-bas à droite? Ah, en fait, ils m'ont fait un chemin, ils m'ont forcé à venir là, donc le chemin, ça doit être par ici encore. Parce que le chemin a bougé quand même. Ah, le clic droit là, le grappin, maintenant que je sais ça, c'est trop fort en fait. Parce que les ennemis au corps à corps, du coup, je leur fais ça, ça les repousse quand ils sont trop proches de moi. Ok. Je choque un peu. Oh, ça augmente les dégâts. Il y a du monde. Hein. Oh! En fait, j'ai l'impression que le grappin, c'est une attaque. Oh, mais j'avais pas eu lui. Le grappin en fait c'est considéré comme une attaque corps à corps parce qu'en fait je dois le ramener jusqu'à moi et je dois lui faire une attaque au corps à corps justement. Ah, si je regardais mes balles. Mais je vais me prendre toutes ces balles hein, vraiment. Je suis vraiment naze. Mais ouais non du coup le grappin c'est ça, ça ramène vers moi et du coup ça lui fait une attaque corps à corps après une fois qu'il est là. J'aimerais bien trouver du heal sans avoir dépensé le mien par contre. Hop. Et du coup c'est pour ça que je lui ai mis un gros dégât, c'est que j'ai dû l'avoir en backstab. Comme le truc de tout à l'heure. Ok, si j'ai l'autre switch. Ok, meet Aaron. Ok, donc ce coup-ci, je descends, je vais à droite. Ah, c'est le mien, tu vois? C'est le mien. Let's go, hein. Go! Je force pas du tout le passage. J'aurais pu casser la tour avant de passer, mais
Non, non. J'y vais en mode gros bourrin. En fait, le problème, c'est que je vais manquer de munitions en plus. Je manque de munitions pour tout, là. Là, ça devient un peu compliqué. Non, en vrai, je perds beaucoup trop de vie, j'avais pas vu. La vie que je perds là-dessus. Ça passe là? En plus, j'ai de l'argent, clairement. Je suis bête, j'aurais dû acheter des trucs tout à l'heure. Il va se grab chez moi, lui ou quoi? Je vais me heal là en cas où. On recule. Repli stratégique. Alors attendez, juste. En fait, je pourrais aller sur l'île ou alors non, je vais continuer. Je pense que je peux continuer encore. Et on passe, on passe, on passe, on passe. Aïe, 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 aïe. Oh non. Oh là là, ça, ça sent mauvais ventre. Aïe, aïe, aïe. Réparer là, est-ce que j'ai... Non, je pourrais pas être à portée là-bas. Bon, a priori il me tire plus dessus. Ok, a priori il me tire encore dessus. Alors les amis, je n'ai plus de quoi tirer hein. J'ai plus de quoi tirer avec le véhicule. Du coup il va falloir y aller comme ça. Non, 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 non. C'est pas le moment de recharger. Ok, nice. Nice. Oh, ouais, il y a tellement de trucs à réparer là. Bon, déjà, je vais plus me faire tirer dessus. Je vais pouvoir finir la mission. Et c'est bien parce que ça montre que, mine de rien, il y a un minimum de difficulté aussi. Là, j'y suis allé en mode gros bourrin et tout. Et en fait, bah. Il faut éviter. Il faut quand même se préparer un petit peu avant d'y aller, quoi. Hop. Est-ce que là-dessus. Ça, je peux pas l'utiliser hein. Ça donne tellement envie en fait tous les véhicules et tout genre d'être utilisé juste. Ok, et là il va se passer quoi? On a un petit boss ou un petit quelque chose? Bon, on a déjà eu un genre de mini boss tout à l'heure. Il y a un truc là, il y a un truc. Ah, c'est pas un petit boss. Non mais je voulais juste un petit boss. Hey, hey, hey. Il n'y aurait pas une plante de heal là? Bah si. J'avais fait la roulade! Ça me l'a pas pris! Ok. Ah mais le temps que je recharge et tout en fait, je peux pas esquiver. Je sais pas si je peux vraiment faire la roulade à travers son truc ou pas, donc dans le doute. Oh le pompe. Le pompe il déchire hein. Ok. Bon c'est passé tranquillement au final. Heureusement qu'il y avait la petite plante de soin. C'était plutôt pas mal. Ok. Bon c'est bien, on va s'arrêter sur un... Sur un petit boss comme ça. Et ça c'est quoi du coup? Ah il y a un nouveau rifle. C'est vrai que je le prenne à la place de lui non? You can only... Ouais que 3 armes. Je peux switch en équipement par contre. Donc je vais les garder quand même sur moi. C'est à dire que là a priori. Équipement. Voilà je peux choisir quand même un rifle ou un autre. C'est pas un rifle que j'avais. Assault rifle. Rifle. Ah c'est à dire que là c'est vraiment un truc style un coup. Voyons voir. Ouais c'est ça, c'est plus en mode... ok, je vois. Hold C... On va y voir. Ah ok, il m'amène comme ça, il me TP. Oh trop bien. C'est pratique hein, c'est vraiment très pratique. Bah écoutez les amis, on va s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter là-dessus pour cette petite présentation. Franchement c'est un jeu, j'ai du mal à en décrocher parce que je le trouve vraiment très bien. Et pourtant...
Pourtant, c'est qu'une démo, quoi. C'est marqué en bas, hein, playtest, démo V1.2. C'est vraiment une démo, et franchement, bon, après, il faut aimer le style et tout, mais je trouve qu'il est très complet, encore une fois, il y a plein de choses à faire. Plus, voilà, là, on est encore en mode un peu guidé, aventure et tout, mais n'oubliez pas que je peux clairement explorer en mode monde ouvert uniquement, essayer de tout clean, essayer d'améliorer du coup le phasership du coup, hein, parce que c'est la base principale, c'est ce gros vaisseau, donc de l'améliorer, de faire des constructions et tout pour avancer. C'est vraiment un jeu très intéressant pour le coup, donc je sais pas du tout en fait jusqu'où va la démo, parce que s'il y a vraiment du contenu, j'avoue que ça me donne envie de continuer un petit peu, mais sinon tout simplement d'attendre la version finale pour se faire un petit let's play dessus, moi je serais carrément partant pour ma part, mais voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez vous aussi de votre côté du coup dans l'espace commentaire. Sur ce, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.